كانت أحلى لحظات عندي لما أشوفك حبيبي. أنا عندك رح أبقى أغني حبيبي، أنا عندك لا ما بستغني حبيبي. Urgence coronavirus. Dans les pays les plus vulnérables, l'épidémie s'annonce mortelle pour des millions de personnes. Et là-bas, unis face à l'urgence, faisons barrière au virus. Alliance Urgence, 6 ONG, un clic, un don sur allianceurgence.org. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais, si vous aggrave, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15. Il ne pleut sur un mur qui picote, qui picote. Os voy a contar un secreto. Creo que no encajo en mi plano genealógico. Os presento a mi familia. Este es mi abuelo, gran plano general. Mis tíos, plano nadir y cenital, con mis primos, picado y contrapicado. Mi tío, plano perfil, que se casó con plano detalle. Mis padres, plano americano y plano figura. Y mis hermanos, plano medio, medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano general, que es el más distante. Eso sin contar al gamberro de mi cuñado, plano aberrante. Y este soy yo. Aunque puede que sea demasiado subjetivo. No sé. Ce jour-là, j'accueillais pour la première fois une jeune femme en recherche de ses origines biologiques. Le métier de psychologue n'est pas toujours une science, encore moins les limites de l'empathie. Remise aux services sociaux en raison de sa différence, Sophia bouleversait au plus profond de moi la femme et la mère. Touchée par sa détresse, par son histoire, j'aurais voulu la serrer dans mes bras. Mais je ne pouvais pas. Porte. Du latin porta, porte d'une ville ou d'un monument, en menuiserie, ouverture battante qui permet de sortir d'un endroit ou d'y entrer. On dit souvent que les murs ont des oreilles, mais qu'en est-il des portes ? Entrer, sortir, sortir, entrer, fermer, ouvrir, ouvrir, fermer. Un geste, un mouvement quotidien, n'est-ce pas ? Les portes sont les témoins silencieux de notre avancée dans la vie. Se faire mettre à la porte, aller devant sa porte, c'est pas la porte à côté. Se fermer des portes, être à la porte de la vie ou de la mort. Lorsque nos mains se posent sur ses poignets, elles se chargent d'histoire, de notre histoire. Elles voient notre hésitation devant leurs pas, amortissent nos poings tremblants et timides, encaissent nos coups de désespoir. Êtes-vous prêt à ouvrir la prochaine ? Comme un enfant rageur, il jette un pavé dans la mare et brise le miroir de l'eau.
Alors, I am BT93 et je vais vous faire moi aussi mon petit live de confinement. Ça fait un moment que je peux jouer sur ce piano. Cut. Cut. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Le jour de gloire est arrivé. Bonjour. Écoutez, bonjour. Oui, bah, vous ne pouvez pas vous mettre ailleurs, hein, j'attends quelqu'un, moi. Mais c'est moi, Dominique. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh, je suis désolée, mais... On s'est écrit quoi, une dizaine de mails? À peu près, je pense. Et en fait, on n'a jamais employé de participe passé. C'est quoi le problème avec le participe passé? Bah, la règle du participe passé, c'est qu'il s'accorde avec le sujet. Vous pensiez pas que j'étais une femme? Mais moi non plus, je pensais pas que vous étiez aussi vieille. Ça, c'est méchant. Je
c'était du PQ.